Et salut à tous et à tous et à tous. Ça fait beaucoup de tous. Ouais, donc salut, comment allez-vous? Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo test et ça me manquait un peu. Alors je me suis dit, je vais refaire une petite là, allez, une de temps en temps. Et donc après le premier épisode de la chronique, je me devais bien de me reposer un tout petit peu, faire une petite pause. Que d'ailleurs, bah, étant donné qu'on se retrouve sur une vidéo test des Sims 3, donc Sweet, l'équivalent de délice sucré en français, même si ça doit pas se traduire exactement comme ça, bah, j'ai un doute, je sais pas. On se retrouve sur cette première partie de vidéo test. Cette vidéo test va se séparer en trois parties. Alors j'explique. Va se retrouver en une partie pour les lieux communautaires, ça sera la troisième. La deuxième partie sur les vêtements, de la même manière que pour Showtime. Et une première partie ici pour les objets et les modes de construction. Donc je disais, donc j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à aller voir ma nouvelle chronique, donc Game Stories. Le but c'est de... Enfin ça raconte l'histoire d'une franchise. Et pour le premier épisode j'ai choisi la franchise des Sims. Donc c'est un très gros sujet qui est expliqué au travers de vidéos, d'images, de vidéos, de vidéos extraits, bandes annonces, montage, avec des musiques et des sons et des textes pour donner un résultat plus ou moins convaincant. Enfin, à vous de donner votre avis. Justement, c'est un peu le but d'un premier épisode, c'est un peu de poser les bases. Et pour le moment, vu le nombre de vues et l'engouement que ça a pris, il n'y a pas de suite. Une suite est prête, entre guillemets, et le script est fait. Mais elle sera pas forcément tournée si le nombre de vues n'augmente pas forcément. Je précise que les autres épisodes ne seront pas sur les Sims. Donc on se retrouve ici devant le palais du sucre. On va l'appeler comme ça. M'excusez, je suis un peu enroué. Et donc le nouvel kit d'objets, donc des Sims 3, donc des délices sucrées kit. Alors il y en a un nouveau qui sort bientôt, donc c'est assez rapproché, c'est le diesel que je ferai aussi en temps et en heure comme celui-là. Dans tous les cas on y va parce qu'on va arrêter de blablater, ça commence à me gonfler sincèrement. Et on va y aller, donc en tout on va trouver deux petits transats, donc sobres et élégants mais roses. Ouais, bon, bah, de toute façon si vous aimez pas le rose l'achetez pas. D'ailleurs j'aime pas la jaquette hein, pour info, je la trouve un peu... Enfin je la trouve pas en rapport avec les autres kits qui sont déjà sortis. On avait des jaquettes type pour les add-ons et pour les kits, et là ils nous ont sorti une jaquette sortie de nulle part avec Katy Perry en plein milieu habillée en rose et en bleu. J'ai rien contre sa tenue ni contre elle, mais bon voilà, il y a des limites, enfin je sais pas. Quitte à nous sortir un kit qui respecte au moins la jaquette, je trouve que ça fait sympa dans une bibliothèque d'avoir des jaquettes qui se ressemblent. Bon, fini de blablater. Alors on y va, donc aussi on trouve une petite fontaine avec un rabbit, un petit rabbitos. Mais celui-là il ressemble pas à un raving rabbit. Ensuite on trouve des arbres avec des miel pops dans les branches. Enfin des arbres, enfin c'est des faux hein, bien sûr, hein, si vous croyez que c'était vrai, c'est que vous êtes sous stupéfiant. Ici on retrouve une fenêtre, donc il y en a une petite fenêtre, une autre fenêtre en forme de papillote, une porte et la seule porte du jeu. Alors ici on a un vélo. On a le même mais en plus petit en fait. Voilà. Donc on retrouve également ici des tables de... Ta gueule. Des tables de pique-nique et d'autres arbres, donc toujours aussi faux et toujours aussi en plastoc. Et pourquoi ça rame? Oh merde. Ah, c'est mieux d'un coup là. Tout le monde préfère. Hein. Donc ici on retrouve une clôture très colorée. C'est la moindre des choses qu'on puisse dire de toute façon. Et on retrouve également un portail, donc le portique qui est ici, qui est plus une sorte d'arche, parce que le portail ça va pas protéger des voleurs de cette manière là. On continue de faire le tour juste pour voir l'autre fenêtre. Donc les autres fenêtres sont celles là. Attends, je crois que j'ai une meilleure vision derrière, parce que je crois que je les ai mal mis ici. Et non, bah je les ai mal mis partout, je suis un vrai bouffon. Ou alors c'est carrément, ou alors c'est casse comme ça. Donc voilà, donc on les verra mieux à l'intérieur au pire. Non, je les ai mal mis. Donc voilà à quoi les fenêtres ressemblent ici. Bon, on va faire le tour des luminaires vu qu'on est en hauteur, donc on retrouve des glaces, donc ça va fondre avec la chaleur des lampes. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, pas moi qui ai fait le design de ça.
Également, on va retrouver alors les autres ampes. Alors, il me semble qu'il y en a deux là. Donc, en fait, c'est pour vous souhaiter un bon accueil. C'est vu la tête de la lampe. De toute façon, vous avez envie de ressortir avant d'avoir passé les arches. Les arches qui sont également disponibles dans le jeu et c'est la seule arche. Les colonnes en forme de épileptique. Une autre lampe de sol, donc en forme de cœur, c'est moignon, comme diraient certains. Bon. Et l'autre lampe murale en forme de glace aussi, donc dans le même style que la lampe le plafonnier. Alors, question les. Je crois qu'il y a un chien dehors, mais je m'en fous. Alors, on va avoir des fauteuils en forme de cupcakes qui sont, ma foi, très jolis, très sympas. Bon, bien sûr, c'est vrai que ça fait pas trop maison design, mais ça fait maison. Un lit ici, donc un lit qui est pareil, vraiment dans le même style coloré, complètement décalé. Une table basse ici, donc voilà que vous voyez ici. Un autre canapé en forme de banana split. Alors celui-là, je crois que c'est celui qu'on a tous le plus vu dans les bandes annonces. Donc bah, qu'on doit l'avouer qui est très 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 joli. D'ailleurs, je mangerais bien banana split. Un rideau ici, pendant que j'y pense, parce que celui-là, j'ai été sûr de pas y penser, donc c'est le seul rideau. On retrouve également des revêtements muraux, donc le rose, le vert. Non, 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 non. Elle est juste en train de gueuler. Elle fait pas ce à quoi vous pensez. Je vous y vois derrière votre écran. Ouais. Moi le premier. Là, on retrouve également donc le troisième revêtement mural dans le même style. On retrouve un canapé ici. Donc une banquette avec un petit truc par-dessus là qui est coloré également. Je pense que de toute façon c'est tout le kit qui est coloré, même la jaquette est colorée. On retrouve une borne d'arcade en forme de glace. Allez, va, j'y ai fait pas chier. C'est bien. Vas-y, occupe-toi, vas-y. Voilà, donc nous on continue notre petit tour. De toute façon, ça va être un très petit tour. Alors là, en fait, c'est un truc. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Il y a un petit biscuit dessus. Petit biscuit, référence à Shrek. Il y a une guitare, bon, celle-là on l'a tous vue également. Des tabourets, un bar. Une table en forme de. Vous savez, les trucs pour vous hypnotiser là. Tu vas aller pisser. Tu vas aller pisser. Bon, vas-y, c'est terminé. Une bibliothèque également ici. Et aussi un. Alors, du verre gadget, machine à bonbons, machine à bonbons. Et machine à. On dirait du sang. Mais bon. Du sang avec des morceaux d'os brisés dedans. Ah, c'est glauque. Ah, je sais que c'est glauque. Bon, c'est pas assez marrant. Une barbe à papa également ici. Alors, un plan de travail là. Hop là, on fait demi-tour. Vous, 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 vous. Là, parfait. On trouve ici donc une étagère. Un truc avec un petit cœur. Donc, pareil, dans l'esprit très kitsch. Et très. Oh, je t'aime. Oh, Kenny. Feu de l'amour. Et ouais, tout le monde aime les feux de l'amour, hein. Bien sûr, allez, cachez-le pas. On le sait très bien. Deux, trois petits cadres. Donc, ma foi, pas moche. Un truc en verre. Donc, truc en verre que j'aime bien, moi. Parce que j'aime bien le verre. Le verre, la matière, hein, pas la couleur. J'aime bien la couleur aussi. Un miroir, donc en forme de. Enfin, vous faites plus attention à la gueule du miroir qu'à votre gueule. En même temps, des fois, il vaudrait mieux. Oh, c'est méchant. Oh, c'est sale. Ouais, c'est pas grave. Et bah, j'ai fait le tour, hein. Franchement, ma foi, il y a vraiment peu d'objets. Et bah, j'espère qu'il y aura plus. Bon, maintenant, on va faire le petit topo comme à chaque vidéo où je fais une petite vidéo. C'est rien du tout ce que j'ai en train de dire, mais ça, je suis naze. Donc, en tout, on retrouve dans le mode, enfin, dans les éléments de confort, on trouve 5 objets. Dans l'électronique, 1 objet. Dans le divertissement, 3 objets. Dans le rangement, 1 objet. Dans la plomberie, 0 objet. Dans les transports, 2 objets. Dans l'électroménager, 0 objet. Dans les surfaces, 6 objets. Dans l'éclairage, 4 objets. Dans les décors, 19 objets. J'espère que vous avez bien suivi, puisque ça fait 41 objets en tout. Approximativement, il est possible que j'en oublie, je ne ferai de le répéter. N'empêche, cette vision d'ensemble nous donne un aperçu quand même assez global du kit. C'est qu'un c'est vraiment un truc très très coloré. Après, il nous avait dit que c'était un méga kit. J'ai envie de dire. Bah, je sais pas à quelle drogue ils étaient dopés quand ils ont dit que c'était méga kit. Enfin bon,
Ça n'empêche que bon, ça reste très très coloré. Pour le moment, je peux pas donner d'avis définitif étant donné que j'ai pas fait les autres. J'ai même pas encore découvert les autres jeux communautaires pour vous dire. Mais les tenues, je les ai faites. C'est pas enregistré, mais c'est fait. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne fin de journée. Je sais pas quand les autres vidéos seront uploadées, donc sûrement le lendemain. Et bah ciao à tous. Allez voir la chronique, je vous en prie. Enfin, je vous en prie, non, je vous en prie pas. Si ça vous intéresse, allez voir la chronique. Et si vous la regardez, laissez-moi un petit avis. Ce qu'il y a à améliorer, parce que je sais qu'il y en a, mais il me faut quand même d'autres avis pour savoir s'il y a d'autres trucs et tout. Donc merci à vous, ciao, bye bye les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.